Bien salut et hallo. Voici les graffitis nouvelles culturelles du 28 novembre 2011 présentées par gr.eu, le portail culturel jeunesse de la Grande Région, aujourd'hui avec Jessica. Acordeões do Brasil ce soir à Louvain-la-Neuve. Il est la star incontestée au Brésil. L'accordéoniste virtuose et charismatique Renato Borghetti mêle ses influences d'Argentine et d'Europe pour donner naissance à une alliance fraîche et contemporaine de tango, de polka, de Tex-Mex et de musette. Il prend également son inspiration dans la pop brésilienne et la pop classique, la samba ou le jazz, en adaptant toujours ses influences à son style unique. Il est accompagné par l'accordéon chromatique de Toninho Ferragutti, qui est un musicien ouvert sur le monde qui apporte son jeu doux et poétique à l'ensemble. Le troisième compagnon, Olivinho, est un jeune accordéoniste issu de la toute nouvelle génération de musique émergente. Lula Alencar vient de compléter le 4 heures. Ce jeune musicien autodidacte se démarque de plus en plus par ses compositions, mais aussi par sa manière particulière de jouer de l'accordéon qui lui façonne petit à petit une réputation internationale. Comme élément incontournable de la vie nocturne de São Paulo, il joue également dans un groupe de forró extrêmement populaire chez les jeunes brésiliens. Ce soir de 20h30 à 23h à la ferme du Biéro à Louvain-la-Neuve. Le prix d'entrée est entre 9 et 16 euros. Ceci était les graffitis nouvelles culturelles. L'événement d'aujourd'hui et plus d'informations vous trouverez sur www.gr.eu. À demain. Ciao ciao.